Le niveau de sécurité est donc maximal. Pour un jour de match classique, ce sera 5100 policiers et gendarmes qui seront mobilisés. Ça veut dire que quand il y aura un match classique, il y aura 37 unités de forces mobiles CRS ou gendarmes qui seront mobilisées, avec des pics comme ceux, par exemple, ceux du match d'ouverture, où 7500 effectifs de police et de gendarmerie sont mobilisés au Stade de France, autour du Stade de France dans les transports en commun, comme ce sera évidemment le cas de la finale, mais aussi des autres matchs qui seront en jeu au fur et à mesure de la compétition. Je veux redire qu'il n'y a pas de précédent pour un événement sportif de cette mobilisation.